Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3 avec Katox. Salut Katox! Salut! Et du coup, bah, on se retrouvait pour passer le tour, je crois bien. Bon, enfin. Toc, on avait terminé. Moi, j'ai pas 27 000 pièces d'or par tour à dépenser. Oh là là, le petit malheureux! Pleinement, totalement. Ça va quand même, tu commences à te poser, tu dois avoir quelques bâtiments. Oui, bah en fait, j'avance, je rase, c'est tout. Bah, t'as un pied à terre quand même en bas là. Oui, bah c'est un petit endroit où je peux me replier quand je reçois le besoin. Ah, il s'est replié là, l'enfoiré. Du coup, cette ville, il y a quoi comme garnison? De la merde, mais la... l'armée en elle-même, elle peut piquer. Là, normalement, Marcus, on va pouvoir discuter. Non! C'est suspense insoutenable. Et bim! Pi est occupé. Ça y est! On a un pied à terre dans les terres désolées chaotiques. Et on a obtenu Skabskras, ouais c'est ça. L'ancienne épée souhait. Légendaire d'un mercenaire mort-vivant. Ah, t'es souhait. Et ça donne quoi? Parmi les attaques magie, tes capacités Skabskras. Dégâts par seconde 36, attaque enflammée, attaque magique. Inflige dégâts magiques et par le feu majeur. D'accord, ah c'est cool ça. Une arme de qualité. Bah écoute, t'as l'épée du tourmenteur toi, on va te filer peut-être Skarmcrass, c'est quand même un peu plus classe. Gael'dead, tu vas prendre l'épée du tourmenteur. Ce serait bien quand même qu'on ramène quoi que le canard par ici. Magie tellurique, on va prendre. Et toi, qu'est-ce qui te reste à prendre? Ce genre de truc. On va prendre blessé, ça peut quand même servir à l'occasion. Attends, on a eu deux Skarmbrak? Non. Non, pas eu deux. Par contre, oui, la reconstitution, là, c'est pas la teuf, hein. Moins 15% de taux de reconstitution dans les terres chaotiques, là. Ah ouais, non, les terres chaotiques. Ça pique un peu les fesses, hein. Elles sont pas très très... Elles sont chaotiques quoi. Voilà quoi. Ça transpire un peu le chaos. Bon bah quoi que t'embarques, on va trouver quelque chose à enlever là, je sais pas quoi, peut-être un guerrier des cryptes là. Ouais peut-être un guerrier des cryptes. Du coup j'en ai enlevé un peu trop. Hop, et on va shoot quoi que le canard dans l'armée de Manfred. Gael'dead de son côté, il va continuer sa reconquête. En espérant qu'il n'y ait pas de danger, a priori il n'y a pas d'armée pour nous tomber dessus. Toc, toc. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Bloquer l'armée. Ouais, là aussi, il n'y a personne à tuer. 100 nobles de Nekara, pas d'hésitation pour Daedino. Le chercheur d'ennemis. En termes d'équipement, qu'est-ce qu'on a qu'on peut donner? L'amulette d'opale, c'est nul. Des auxiliaires peut-être quand même là. Un petit fossoyeur par exemple. Toujours bien un petit fossoyeur, une petite vieille peau, même si c'est un peu pourri. Pareil pour toi. Toi t'as une vieille peau mais t'as pas de fossoyeur. Prends donc un fossoyeur. Et puis prends ce machin. Alors, avant que on en termine avec les elfes, on peut tenter un petit assassinat, ça fait de l'XP. Parfait.
Et derrière, on lance l'assaut. Bim. Merci, au revoir. On va juste occuper. Faction détruite. Quand même. Il était temps. Dino est à pied d'œuvre pour commencer à reprendre un petit peu le territoire que les hommes lézards nous ont piqué. On va voir si on s'en tire mieux avec zéro lancier face aux bêtes sauvages. Alors ici, il y avait une armée qui se forme. On s'en fout un peu en vrai. Hop. Destruction. Le comte Nostradinus hein, et son bagou légendaire, comme on dit. Un bouclier arcanique, ça c'est bien ça. Ah, un dragon zombie pour le comte Nostradinus. Ah, voilà la consécration. Là on commence à discuter. Et du coup on va lui filer la prémonition inquiétante. Plus de vent de magie, moins d'entretien, plus de thunes. Et plus 5% de déplacement de campagne supplémentaire. Ça c'est bien. Alors, Chobiti, t'as plein de gens à tuer. Ici on a quoi? 56%, niveau 21 la vache. Il a réussi à survivre à Chobiti juste pour pouvoir monter jusqu'au niveau 21. On se pose pas de questions, hein, on le défonce. Échec. Chobiti, non! Bon, bah, on est arrivé à la frontière avec les nains. Alors, du coup, est-ce que je me rabats vers la droite? Comment ça se passe le Skaven là? Qu'est-ce qu'il fout? T'as plus que deux villes, Skaven? T'es sérieux? Trois villes? Tu chies dans la colle ou comment ça se passe? Putain, j'ai défoncé toutes les armées quoi. Comment ça se fait que t'es en galère à ce point là? Il te reste quoi? Ouais, trois villes, d'accord, très bien. Bon bah, on va se rabattre vers la droite du coup. Hop. Allez, pustule, tu vas aller chercher ça directement. On peut aller chercher ça, ouais. Cette zone là, et après on remonte vers le nord, ça me va bien. En avant, par là. Alors ça se retape. Très très bien. Ah, on peut améliorer Chocho City. On se pose pas de questions, on y va. On peut aller chercher plus une banshee. Ok. Chobizou du coup. Je pense que... Alors est-ce que tu aides Daedino? Ouais, tu vas peut-être être... Tu vas rester dans le coin. Tu peux entraver la reconstitution, ça m'intéresse pas. Non, non, tu vas rester dans le coin pour bloquer les armées pour que Daedino il court pas pendant 100 ans après Tic-Tac-Toe. Ça me paraît très bien comme, comme concept. Au croisement là. Désordre. Hop, encourage la terreur. Et c'est bon, je passe le tour, Katox. Alors, on va voir si Manfred va réussir à tenir. Alors, visiblement, l'armée qu'on a écrasée, c'était la seule qui leur restait. Donc, je pense qu'il va réussir à tenir. Alors, est-ce qu'il est parti? Oh. Ah, y en a un qui traîne chez toi qui t'emmerde. Bah, y a les armées de nains qui sont redescendues, qui ont chopé
Ah, les ruines. Des territoires. Ouais, ah bah, c'est le problème à raser et pas prendre. Hein. Ouais, mais... Tu sais, moi, je m'étais simplement dit, bon... Il y a un gars tout seul, tu vois. Il va faire le classique de « je vais me suicider sur une ville ». Eh bien, non. Mais bon. Battez l'armée du seigneur suivant. Archaon, seigneur de la fin des temps. Mmh. Ah. Il y a trois armées pleines là. Il est en train de progresser en Sylvanie, mais c'est la violence. T'acceptes pas de. T'acceptes une petite confédération que je te sauve le cul au dernier moment ou comment ça se passe? Il accepte une confédération hein, pour que je lui sauve le cul au dernier moment. Oh, allez. Les confédères, allez. C'est parti. Je crois que c'est la première fois où après une confédération, j'ai plus de thunes qu'avant quoi. C'est abusé. T'as confédéré la Sylvanie. Avant je gagnais 25 000 par tour, je le confédère, avec ses armées en plus je gagne 26 000 par tour. Voilà bisous. Bon en même temps ses armées... En même temps, il a plus d'armées je crois. C'est si, il a quand même 2 armées, 3 armées... Mais c'est globalement du zombie quand même. Hein. Alors, ça va prendre encore plus de temps. Ah non, il y a Vlad ici. L'armée de Vlad, quoi. Pff, c'est abusé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il a 12 zombies dans son armée, quoi. Sérieusement. Mais presque qu'il fallait, quoi. Et pourquoi tu prends de l'attrition? Tu te fous de moi? Remarque, il y a, cela dit, il est aux portes d'Ardolf. Hein. D'Altdorf. Je vais arriver. Ouais, bon, par contre, ça va me prendre encore plus de temps. Je suis désolé. Alors, déjà, on va se poser dans les villes. Hein. Ça, c'est quoi? C'est un roi revenant. Il fait quoi, le roi revenant? Il blesse. Il est level 5, donc il n'y a pas aller loin non plus. Hein. C'est plutôt un roi revenant qui va dans une armée, ça. Elle est où Isabella là hein? Y'a arnaque là. Non mais c'est pas possible les armées de zombies quoi, enfin faut arrêter à un moment. Bon on va claquer de la thune hein, donc déjà tout ça. Ça dégage. Hop, voilà. Ensuite résurrection. 4 gardes d'écrit, 2 comme ça. Tu vas me rajouter un comme ça. On a déjà un terreur guest, on va rajouter un vergulf. On a un morgulf, ça sera très bien. 2 comme ça. Voilà. Bon, ok, on passe de 1800 entretiens à 4600, mais. Voilà. On va commencer à causer. Ensuite, toi. Deux comme ça. Un peu de cavalerie. Une unité comme ça. Un petit brasero infernal. Un bourdon maudit. Allez, un bourdon maudit. Ok, on est pas mal comme ça. Et puis toi, tu vas aller le rejoindre. Ensuite, ici, on rentre dans la ville. Alors toi déjà, t'as une armée qui compte un peu plus. Virer ça, on vire les zombies, t'as beaucoup de spec des cairns quand même, tu peux recruter quoi? Rien parce que t'es en marche forcée. Deux autres comme ça. C'est tout ce que tu peux prendre. Alors, le château Drakenhof. Du coup, on peut faire le musée malveillant qui nous donne plus de... Qui nous booste nos livres de Nagash. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Ah
Ah, on a des négociations en cours. Ah, avec toi, tu m'as demandé un truc, pardon. Tu veux un pacte de non-agression, un accès militaire? Pourquoi faire? Comme ça, je vois... Comme ça, je vois ta... Comme ça, je vois la... Je vois ton territoire. Tu veux voir mon territoire? Il est beau, mon territoire? Ben, je le vois pas en entier, en fait. Je vois une partie, mais je sais pas tout. Alors ici, il faut qu'on campe encore un tour le temps que quoi qu'arrive. Bah écoute, c'est facile, tu vois le tout sud de la map? Mm-hmm. Bah j'y suis. Et tu vois le nord de l'Empire? Ouais. Bah j'y suis aussi. Voilà. J'aurai plein de fronts en même temps. Certes. Enfin, cela dit, j'ai pas hérité de guerre là. Hein. Non, j'ai pas hérité de guerre avec lui. Ah, mais attends. Il y a des fidèles de Nagash, ils se sont installés. Ils se sont mis en Estalie et ils se sont mis en Bretonnie. Bah, ouais, ouais, ils vont là où ils peuvent là. Avec Sartosa, ils se tapent dessus gaiement. Your time with us. Embrace my master. Non, Arkham le Noir il se laisse pas abattre hein. Vu que Sartosa avant il y était, mais il n'arrivait pas à grossir parce que il y avait Skrir qui arrêtait pas de l'emmerder. D'ailleurs je vois que ça continue. Du coup, mais d'après une ville quand même. Ouais mais juste à côté il y a Ikit la Griffe avec une armée pleine et une autre armée de 10 personnes. Ouais, il va tenir. Je pense qu'il va pas tenir longtemps. Par contre il y a Talsin qui est sorti de la forêt et qui attaque le Skaven. Donc pourquoi pas. Ah mais aussi il va falloir qu'on s'occupe de ce front là, mais pff, voilà, trop de trucs. Il va falloir qu'on sécurise un petit peu la Sylvanie de toute façon. Et alors, on a plein d'ordres à mettre. Ici c'est quoi ce truc là? Pourquoi t'as construit ce bâtiment de merde? T'as 3 emplacements tout seul et tu construis ça quoi. Tu vas me virer ça. Mais genre vite fait. Et on va booster la croissance ensuite. Seigneur en garnison, Manfred, tu bouges pas. Héros non déplacé. Chobizou, tu t'es pas déplacé. Comment ça se fait dire? Ça veut dire que là on s'est pas déplacé. On va donc progresser avec Daedino. Et Chobizou, on a dit que tu venais filer un coup de main par là. Parce que quoi que le canard n'arrive pas à assassiner des gens. Non, on avait dit que c'était elle qui venait, mais c'est pas grave. Voilà. On va venir par ici. On va essayer d'aller s'occuper de Tic-Tac-Toe. Ça me paraît une bonne priorité. Il a bientôt refait son armée en plus, ce petit con. Alors, ah, par contre, ouais, non, je veux savoir, elle est où Isabella là? Parce que c'est quand même censé être la puissance du truc quoi. C'est de pouvoir avoir Isabella von Karstein avec toi quoi quand t'es Vlad. Qu'est-ce qu'il en a foutu de son Isabella, ce con. Pustule, Manfred, Gelden, Naelino, Vlad, Richard, machin, t'es qui toi? Putain seigneur. Ah, Isabella von Karstein, blessée, tour en est disponible 2, d'accord, ok, elle s'est fait poutrer. Bon. Ouais, à mon avis, elle devait être dans une armée qui s'est fait éclater. Sans doute. Là, il va falloir qu'on le remplace, lui. On peut pas juste remplacer un seigneur, on peut limoger une armée complète, hein. Ah, c'est chiant ça. Si, je crois qu'il y a une manip pour le faire. Comment c'est? Remplacer le seigneur, voilà. Par lui là. Pourquoi je peux pas? Il y a des races où tu peux pas. Non, c'est juste qu'ils ont été blessés au combat, pas de bol. Ah. Mais effectivement, il y a un von Karstein que j'ai récupéré avec la Confédération qui est level 26 et qui est blessé, donc ça devait être lui qui était avec Isabella. Alors pourquoi est-ce que Isabella n'était pas avec Vlad? Je ne sais pas, mais bon. C'est pas grave, hein. On corrigera ça.
J'avoue que par contre, Archaon, pff, il est vraiment vénère. Alors, Chobiti la putride n'a pas bougé non plus. Assassinat Chobiti. Ouh, le petit golem de chair pour Chobiti là. Qui réussit son assassinat. Bien joué. Alors, on a des ordres ici. Qu'est-ce que ça donne? On est déjà plein. On va prendre le revenu. Et du coup, désolé pour ce tour hyper long. Je termine le tour. Mais j'avoue que là, je m'attendais pas à ce qu'il accepte aussi facilement. Mais il s'est tellement fait défoncer. Les séducteurs de Slaanesh me déclarent la guerre. Oui, d'un seul coup, je suis devenu la menace principale, je pense. Surtout, il leur reste, il leur reste juste une ville. Ouais, bah de toute façon, ils déclarent toujours la guerre. Ils sont dans leur petit coin là. Et... Non, par contre, Arcane, tu me files toujours 1000 pour le pacte. Non, c'est pas possible ça. Faut pas déconner. Alors, Archaon, il se déplace un peu. Non, il crée une nouvelle armée. Ok, pourquoi pas. Il a pris Mordheim, Archaon. On est chercher ça. Ouh, ils ont invoqué une armée. Ok. On gagne la revitalisation vampirique. Alors, on va tout de suite prendre cette armée, ce monsieur, et le remplacer par Richemont von Karstein, level 26. Il m'a l'air d'être quelqu'un de qualité. Bon, ça a l'air d'être un petit peu n'importe quoi son build, mais... On va... Ouais, si ça va, on va faire avec. Vraie bataille. Pas vraie bataille. Tu tâtes. Gagné. Ouais. Bon. Que dire. Ouais, ça je joue pas. Alors, ah mais il y a même le clan Mulder qui se balade là, mais sérieusement. Ah mais oui là, c'est du Skaven ici partout là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel dans le coin Sylvanie? Ils font n'importe quoi les mecs. Bon, ici va nous falloir une place. Ça. Ici. Il y a quoi dans le ville? Enhart, tout là-bas. Ça c'est... Je suis pas en guerre contre eux pour l'instant. Allez, on va... Oh, bon, on va virer ça, pas de soucis. On va capturer ce truc. Pour progresser un peu par là. Et on virera ça. Isabella devrait revenir au prochain tour, donc on verra ce que ça donne. Ici, on va aller en défense. À cet endroit. On va prendre un comme ça. Une cavalerie de plus, beauf. Un chariot. C'est une charrette macabre à bourdon maudit qu'on a, ouais ça va. Deux unités comme ça pour compléter un peu. Et on va prendre trois loups funestes parce que c'est un von Karstein qui va être spécialisé en loups funestes. Bon, en tout cas il va avoir des bonus. Qu'est-ce que t'as comme équipement? Le hachoir d'airain, ok, tendeur en os de liche, ça c'est pas mal. Ok, les tendeurs du ranger, pourquoi pas, on peut te filer ça. Alors attends, commandant plus 7, et là on a la bannière de guerre, donc on va enlever ça. Voilà, mais qu'est-ce que tu fais? T'en avais déjà une? Attends, j'ai pas compris. Tu vas prendre ça. Et ton copain? Voilà, toi. Est-ce qu'on peut te mettre un petit peu d'équipement? Non. Et en termes de
T'as déjà un fossoyeur, c'est parfait. Ok. Bon, déjà, on a deux armées à 20, à peu près potables. Et ça serait bien d'avoir un peu de nécromancien d'ailleurs dans ces armées. On peut poser un nécromancien. Ça, c'est propre. On va commencer avec le buveur d'esprit. Prends. Les nécromanciens, maintenant, ils commencent level 10, quoi. Ça fait plaisir. Ça a commencé directement à ce niveau-là, ouais, effectivement. On va virer un comme ça. Toi, tu viens là, tu peux pas rentrer. Hein. Alors, level 10, qu'est-ce qu'on va prendre? Reconstituer les troupes, déjà. Hop, voilà. L'invocation de Nek, max. La malédiction de la non-mort. On va prendre Maître des tombes. Et la résurrection améliorée. Voilà. Et un truc. Bon. Un fossoyeur. Allez, un fossoyeur. Un nécromancien est faux, un fossoyeur. Pas déconner. Au niveau des technologies. Alors, ici, cette armée là, il faut qu'on recrute. Il nous en faudrait un comme ça. Ah mais c'est quoi ces zombies? Mais faut arrêter avec les zombies là. Sérieusement. Ah on a déjà, on a tellement pas de moyens de recruter. On va directement prendre des trucs qui prennent deux tours. Genre un petit carrosse. Ensuite on va résurrectionner le reste. T'es quoi? T'es un von Karstein toi? Tu prends deux comme ça. Un comme ça. Recrutement allié. Tu vas nous prendre deux lanciers. Eux c'est tout. Et là... Compagnie franche de Sartosa, Zartir pirate à escopette, ouais. Ouais, ouais, ouais. Deux mortiers. Voilà, c'est pas mal ça. Ici. Ici, on a une armée qui est quand même plutôt de qualité pour le coup. Comment ça se passe? C'est quoi cette saloperie là? Ah la vache, ce héros est super classe. Prince démon de Tsinch. Mais on n'a pas envie de le rencontrer. Hein. Dommage, Archéon est dans une ville, on peut pas le voir. Oh la quantité de héros, il faut des banshees. On peut recruter de la banshee là. Parfait. On va recruter une chobichouette. Alors attaque en mêlée, commandement, plutôt attaque en mêlée, allez viens chobichouette. J'ai l'air de descendre. De quoi? Ils ont l'air de descendre les grès du chaos là. Ah bah là oui, ils progressent là, clairement. Alors assassiné, assassiné, spécialiste, spécialiste, spécialiste. Prenons ça et puis t'as qu'à prendre ça. Hop, voilà. On va aller buter un petit peu du héros du chaos là. Et du Skaven aussi, je suis sûr qu'il y a plein de trucs à tuer. Oh la vache, le clan Mordrem qui a une alliance avec les trolls de Glace North quoi. Le croc de l'hiver. Par contre, je suis un peu déçu, j'espérais que je choperais un truc. Un livre de Nagash en confédérant, mais même pas. Le livre de Nagash sur le chemin, et il est sur un truc que j'ai pas. Donc il va falloir qu'on fasse jonction. Et sinon, il faudrait que je prenne Aldorf.
Rien que ça. Ce qui est pas inenvisageable, hein, parce qu'il est quand même hyper à poil. C'est bon si elle sait déjà faire rouler dessus ou pas quoi. C'est un peu ça. Ce bâtiment là on est vraiment obligé de le faire. Ouais. Ah, globalement là il lui reste 2 villes, 3 villes peut-être. Ouais, 3 villes et l'armée de Karl Frenz qui est en train de douiller sa mère. Et d'ailleurs, il est chez nous, on va lui donner un avertissement d'intrusion. Faut qu'il se casse. S'il veut pas se casser, on va aller lui expliquer qu'on n'est pas content avec Vlad. Bon, maintenant, on en est où? Quel bordel. On va se mettre en mode pillage. On va pas prendre trop d'attrition. Chobizou, Chobiti, toi t'es Chobiti, t'es pas Chobizou. Ah oui, tu peux pas assassiner parce que tu viens d'assassiner, donc t'as pas de chance, tu vas progresser. Le comte Nostradinus. Ah alors là j'avoue que ça va devenir long, hein. Ça va commencer à être très très long. Hein. Enfin après ça me dérange pas moi, mais je suis désolé pour toi Gatok surtout. On s'entend pas. A l'inverse, je pourrais peut-être partir de l'autre côté en vrai. Si je voulais y aller ici. Aller là, ouais. Et attends, mais il y a des plages là, foutez pas de ma gueule, hein. Je suis pas obligé de faire le tour à pied quoi. Allez, go. Bingo. C'est peut-être plutôt une priorité ça, ici, des sous. Manfred, quoique le canard il devrait t'apporter là. Yes. Allez Quack, viens nous aider à nous reconstituer parce que dans les terres chaotiques on galère un peu quand même. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On est un peu cerné, donc pas grand chose malheureusement. Non, ça sert à rien ça. Oh là là. Alors ceux qui dans les commentaires me disaient mais t'as trop de sous, qu'est-ce que tu vas faire de ta thune, voilà. J'ai tellement de villes que je suis désolé de le dire, bah, il me faut plus de sous. Hein. Ah, il est à plaindre. Bah ouais, tu te rends pas compte. Ah oui. Tous ces trucs à reconstruire, à conquérir et tout, et je peux même pas. Je suis dans le mal là, je suis dans le mal. C'est terrible. J'ai pas d'autres mots, c'est terrible. Ah. Là il a repris la mer, intéressant. Intéressant, intéressant. Ok, ici on progresse avec Chobizou. Toc. Et bah du coup on va se préparer à un assaut sur Tic-Tac-Toe je pense. Alors tant qu'à faire on va se mettre en mode invocation, comme ça on va gagner les quelques troupes qui nous manquent. Dommage à les bâtiments, on s'en fout. Allez par là. Alors, Manfred il s'est pas déplacé, ok. Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs à construire quoi? Au secours. Ici on veut des murs, on n'a pas les sous. Ok, très bien.
Les héros qui ne se sont pas déplacés. Qui tu es, toi? T'es une vampire de l'ombre. Tu fais quoi de beau dans ta vie? Ok. Légite. 13% de chance de blesser qui que ce soit. Non, ça vaut pas trop le coup. Il y a déjà un vampire ici, dans cette armée là. Ok, tu vas rejoindre là. En avant. En avant. Bien, ça commence à se décanter. Allez, on passe le tour parce que quand même faut qu'on avance un peu. Et après on arrêtera de nouveau l'épisode et je pense que les épisodes vont devenir un petit peu lents avec tout ce que j'ai à gérer. On discutera en off éventuellement avec Atox si on continue ou pas, si on considère qu'on atteint nos objectifs. Mais ouais, je crois que là du coup ça va être un peu long. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi hein, si vous voulez qu'on continue, si ça vous semble sacrément tendu. C'est quoi? Il attaque. Ah d'accord, il attaque Echem. Okay. Bon, je peux pas résister. Toujours le souci. Toujours le souci en endgame. Ouais, bah en vrai c'est vachement cool hein. Mais pour un let's play, c'est plus compliqué. C'est surtout ça. Je trouve ça vachement cool perso. Ouais. Défaite décisive. Oh oui. Il a ramené 4 armées pour me. Allez, c'est bon, je m'avoue vaincu. 4 armées, il l'a amené, il a encore 4 armées, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est Bordelot, hein. C'est l'armée qui était en plein milieu du territoire pour piller. Ah putain, Karl Frenz, tu fais chier à m'amener des pestes là. Ah, Isabella est fin prête. Alors elle est apparue où? Ici. Ok, pourquoi pas. Alors le Reclan a ignoré? Bah non, il a rien ignoré du tout, le Reclan il s'est replié. Trotte le galeux, il se balade, ok, très bien. Hop. Tous ces gens sur lesquels il va falloir taper. Alors, Isabella. Pourquoi je prends de l'attrition là? Ah parce qu'il y a la corruption du chaos. Ah la vache. Les saloperies. Attends mais t'es level 35 et t'as rien amélioré là? Qu'est-ce que t'as? Explique-moi. Quel est ton build? D'accord, t'es monté là-dessus, pourquoi pas. Vent de mort, conduit arcanique, furie rouge. Dégâts des armes perforantes plus 25, bonus de charge plus 20. Waouh, ah oui. Reine des abeilles, coût de l'action du héros moins 50%, chance de succès de l'action du héros plus 50%. Pour tous les héros dans la région locale, quoi. Sympa ça. Cette violence! Ah, je vais peut-être pas te mettre dans l'armée en fait, hein. Tu vas peut-être te balader avec Choubi Chouette pour tuer des gens. Tout de suite, 52% de chance de réussir. Ah, je sais, j'ai dit que j'arrêtais. C'est un échec. Et c'est un autre échec, tant pis. Allez, on va arrêter l'épisode là, il est suffisamment long. Laissez un petit commentaire pour me dire si vous voulez voir la suite, comment vous envisagez ça, est-ce que ça vous ferait plaisir, est-ce que vous voyez des objectifs, est-ce que bon, les tours qui durent 35 minutes c'est un petit peu trop long pour vous et que vous allez de toute façon arrêter de regarder la série. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut.